Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien, bienvenue dans l'abîme de la mort pour ce 22e épisode de notre Let's Play dynamique sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et là j'ai envie de vous dire qu'heureusement qu'on porte la bonne tenue. Parce que sinon, on serait dans la caca. Nous voici donc dans l'abîme de la mort, dans les entrailles de la montagne de la mort. Où il fait affreusement chaud. Oh, le bruit! On y est? Ok, on est là, mais c'était pas forcément là qu'il fallait aller, si? Il fait si sombre, mes loups. Il fait si sombre, j'ai du mal à voir où je suis. Un nouvel esprit. Je croyais que j'en avais déjà eu des esprits. Non, j'en ai qu'un. On voit, mais genre, que chi. Donc... on va planter des graines Lumos un peu partout. Voilà, c'est un peu mieux. C'est vraiment une abîme, hein. Ok. Ah! Voilà, là ce sera mieux. J'ai déjà vu des gens. Je lui ai planté une graine aux fesses. J'ai déjà vu ça dans un réel. Ok, vous voulez? Non, je vais pas le faire, je vais pas le faire. Mais il y en a qui se sont amusés. Non! Eh ben, je l'ai fait quand même. Yes, we decided. Ouais, c'est ça. J'ai cru avec ton pitch de fin que tu t'arrêtais pour ce soir. Non, je me suis pas arrêté pour ce soir. Bien, il y a une statue avec une paire de fesses et il y en a qui ont utilisé le pouvoir pour rentrer dans les fesses du personnage et remonter par sa tête. Voilà. Nous ne ferons pas ça car nous n'avons pas 4 ans et demi, même si j'en meurs d'envie. Alors. Ah, une machine à gâchapon. D'accord, ok, carrément. Ah, c'est le Nether en fait. On est dans le Nether. Mais un Nether évolué, quoi. Ok. Bon, j'imagine que s'il y a une machine à gacha, c'est pas pour rien, donc on va l'activer. On va prendre quelques orbes d'énergie Sonao. J'ai hâte de voir. Donc nous avons des batteries de rechange. Un gouvernail. Ah, ça y est, on a enfin accès au gouvernail. Roue, gouvernail, batterie de rechange, marmite de voyage, roue. Bon, je vais faire le plein, hein, vraiment. Ok, là on a quand même pas mal de trucs. On a 9 gouvernails, on a 14 roues, on a de quoi... ouais, on a de l'eau, on a des ventilos. Ok, let's go. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on se dirige par là-bas. Souci. Il me faut une quatrième roue, bah il faut que je la sorte, hein, je pense. Par la force des choses, je suis obligé... hop, d'apprendre à maîtriser les véhicules parce que sans ça
Je suis un peu paumé. Et je suis un... surtout, je... Ma... la plateforme ne servira à rien, quoi. La racine, elle est là, la racine. En fait, j'essaye d'explorer, j'essaye de trouver quelque chose depuis tout à l'heure. Mais ça sert à rien. Parce que il y avait quand même un objectif, et je ne me dirigeais pas du tout vers cet objectif. Et la racine, elle est là, donc autant activer la racine. On y verra déjà tout de suite plus clair. Et on pourra se téléporter aussi. Racine Yomut Is, sous la montagne de la mort. Toujours l'impression de voir un cœur s'illuminer. Que c'est beau, toute cette lumière. Et surtout, la téléportation est désormais possible. En plus de cela, nous avons... La racine purificatrice illumine les alentours. Je n'arrive plus à parler. Alors, que nous dit le journal d'aventure ? Craignant qu'elle ne soit tombée dans le volcan, Yunobo a plongé dans le cratère qui semble sans fond. C'est vrai qu'il faut retrouver Yunobo, ce serait intéressant. Mais où est-ce qu'il est Yunobo par contre hein? Ah bah il est là. C'est par ici. Oh? Qui aurait cru que ça ressemblait à ça sous la montagne de la mort? Il y a des roches rouges un peu partout. Dame Zelda serait ici, au milieu de toute cette savouroche? Oh! Encore cette voix. J'ai pas rêvé, Link. Tu l'as entendu, toi aussi. Elle nous demande de venir à elle. Voyons. Je crois que ça venait de cette direction. Tu crois que c'est lié à Dame Zelda? Ouais. Bon, en tout cas, allons-y. Bah, oui. Je pense très clairement qu'on est en train de se diriger vers le Temple du Feu, mais... En fait, j'avais voulu prendre de l'avance. Ce qui est bien, c'est que du coup, avec l'avance que j'ai prise, c'est déjà illuminé, donc on va pas s'embêter. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est quand même ouf. Oh là. Tous les esprits, je sais pas à quoi ils vont me servir, mais je la ramène avec moi. Hein. J'en ai 23. On faut les échanger avec quelque chose ou imaginez, vous mourrez, vous finissez sous forme d'une petite flamme comme ça, enterré dans les abysses. C'est horrible. Oh, quel enfer. Ah, j'ai pris feu, pardon, bonjour. Bonjour, j'ai pris feu, alors, on va en parler. Ok, alors là, nous avons un hôtel, c'est un garage, carrément. Là, on a tout. One eternity later. Là, maintenant, on va pouvoir y aller. Ça suffit.
Link, passe ton permis d'abord. Non mais lol, non mais lol, lol, lol. Stop, ça suffit. Je me suis auto-coincé dans un... Je me suis mis dans un bourbier. Tu montes. C'est parti. Non, 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 mais... Mais c'est quoi qui va pas encore? Dites-moi, je vous en supplie, Mélou, ce qui va pas. Pourquoi ça ne va pas? Toi, tu... Dégage. Dégage la plateforme, là. Tu sers à rien. Je te maudis, toi et ta famille, sur 20 générations. Et puis, il y a Yunobo qui m'empêche de passer, là. La roue... Là, ça a l'air d'être monté de la même manière. Ça, ça dégage. Voilà, merci. Là, ça a l'air d'être monté pareil, hein, je trouve. Non? Ah, celui-là a l'air d'être un peu plus haut. Bah non, en fait. Non, c'est pareil. Bon, là, normalement, on est bien, non? Eh, si, là, on est bien. On est bien, Mélou. On est bien. Ça passe. Tout de suite utiliser une grosse orbe d'énergie Sonao dans les matériaux qu'on a. Grand orbe d'énergie Sonao temporairement illimité. On va en utiliser un pour l'instant, voilà. Ça va nous permettre de rejoindre les racines qui se trouvent juste ici. Waouh! Ça y est, j'ai enfin réussi à maîtriser J'ai enfin réussi à maîtriser un véhicule. Incroyable ou pas? Énorme. On va pouvoir allumer celle-là, tiens. Ouais, c'est carrément une encore plus grosse partie de la map qui s'est révélée à nous, là. On va collecter tous les esprits qui sont là et puis essayer d'affronter les bestias. Tout en veillant à ne pas se faire toucher parce que malheureusement... Quand on se fait toucher par des bêtes corrompues... Yunobo! Mais Yunobo, viens me voir! Voilà, merci Yunobo. C'est-à-dire Yunobo, il leur tourne autour. Dans la tête, en fait! Dans la tête, Alouette! Voilà. Yunobo, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est parti. Je n'ai plus de flèches. Super. Magnifique. C'est tout ce qu'on aime. Mais arrête de jouer ta trompette, toi. Allez, adieu. Un casse-pierre. Ah. Oh mon dieu. Insupportable. Ok.
Arrêtez d'utiliser vos pouvoirs. Mais... On the road to the temple. Le temple du feu. La cité perdue de Gorondia. Est-ce que la voix venait de ce bâtiment? Bah on dirait, hein. J'ai exploré de un peu à droite et à gauche, ça c'était cool, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Et notamment parler à Yunobo. Parce que sans lui, on pourra pas détruire les roches. Qu'est-ce que c'est que cette immense structure? Et qu'est-ce qu'elle fait sous la montagne de la mort? Oh! Regarde! C'est Dame Zelda! Attendez, j'ai des choses à vous dire. Il vient de dire wait. Attendez, ne partez, Dame Zelda. C'est quand même beaucoup mieux. D'un coup d'un seul. Hein? Il y a quelque chose droit devant. Ouais, ça c'est le... C'est la porte du boss, ça. Ah, Link, par ici. C'est terrible. Dame Zelda s'est fait enfermer. Il faut vite la sauver. Mais comment on va faire pour entrer là-dedans? Eh bien, c'est là tout l'intérêt de notre présence dans ce temple du feu. Utilisez le pouvoir Sonao. Voilà, déjà ça c'est pratique, on va pouvoir se téléporter. Ça va faire le même coup que le temple du vent. Oh, t'as vu ça? La porte, elle a bougé un peu. Encore ce son. La voix va nous parler. Oh, mon cher descendant. La porte que tu cherches à emprunter est protégée par 5 cadenas. Utilise ton pouvoir pour tous les déverrouiller. Et elle s'ouvrira. Voilà. Suis mes indications. Il n'y a pas de doute. Je l'ai entendu comme je le t'entends, mais... Qui ça peut bien être à ton avis? Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par « mon cher descendant » Bon, au moins elle nous a dit comment ouvrir la porte. Ce qu'elle... C'est qu'elle nous veut sûrement du bien. Du coup, si on déverrouille ces 5 cadenas, on pourra entrer dans cette salle, c'est bien ça? Yes! En effet. Ah si, on peut traverser. Très bien, donc ça, c'est bon. Ça descend un peu. Mais comme les 5 chaînes ne sont pas coupées, ça reste fermé. Donc, mes amis, je vous propose, suite à cet épisode de découverte, de nous arrêter là.
donc pour ce 22e épisode, on commencera donc l'exploration du Temple du Feu dans le 23e épisode. Enfin, on a déjà commencé l'exploration. Mais on va commencer à déverrouiller toutes les portes. Et pour ça, il va falloir se rendre un peu à droite et à gauche. Notamment genre ici. On est au rez-de-chaussée. On peut pas être là devant notre première porte à activer. Va falloir trouver comment. Si ça se trouve, c'est extrêmement simple. Non. Est-ce que... Non. Ça aurait été beaucoup trop beau. Ah. Pareil, effectivement, ça aurait été beaucoup trop beau. Peut-être passer par ici. Et on verra ce qu'on y trouve. Peut-être passer de l'autre côté aussi. C'est peut-être une solution. Ou pas. Là, j'ai vraiment du mal à voir ce qu'il faut faire pour l'instant. Mais ce sera une bonne quête pour le prochain épisode de Tears of the Kingdom. Bien, Milou, merci d'avoir été avec moi pour ce 22e épisode du Let's Play Dynamique de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. On se retrouve très prochainement, bien sûr, pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ça n'est pas déjà fait. À venir me rejoindre en live avec toutes les... toute la bande de joyeux lurons et luronnes qui sont là pendant que je donne un coup à mon micro. Le Punk Corbeau, coucou à toi, merci beaucoup. Marinette également, Alfox, qui sont là dans le chat et qui utilisent d'ailleurs les petites icônes, merci. C'est Frenia, Kiwi, tout le monde, toute la bande de joyeux lurons et luronnes qui sont là avec moi dans le chat. N'hésitez pas à les rejoindre. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, @wolfagram notamment, si vous avez envie de rester en contact avec moi dans un entre deux épisodes. Je vous embrasse très fort sur votre fumide, et à très vite pour la suite de l'exploration du Temple du Feu. Ciao, bye bye.